Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel de Lightroom. C'est une photographie que j'ai prise au parc Jean-Drapeau, un très bel endroit à visiter pour faire de la photographie de nature. Et le tutoriel, c'est surtout pour vous montrer qu'avec un peu de post-traitement et une bonne gestion des couleurs, on peut prendre une photo qui est vraiment mauvaise, telle qu'elle est en sortant de la caméra, et faire quelque chose de très bien avec l'image. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez les étapes du tutoriel. OK, voici la photo que j'ai prise au parc Jean-Drapeau. C'est un très bel endroit à Montréal que peu de gens connaissent. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un endroit à découvrir. Le parc Jean-Drapeau, c'est vraiment une très belle place où aller faire de la photo. OK, alors, cette photo-là, je vais obtenir une photo qui a une ambiance un petit peu sombre, glauque. Alors ici, vous voyez la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra. Et lorsqu'on regarde cette photo-là, on est loin d'une ambiance glauque et sombre. Alors, première étape, je vais commencer par diminuer l'exposition de ma photo. Parce que ma photo, j'ai surexposé la prise de vue, comme j'ai toujours l'habitude de faire. Alors, je commence par sous-exposer la photo pour amener l'exposition à peu près comme elle est supposée être. Et ensuite, la courbe des tonalités. Alors, je vais utiliser la courbe à point. Je ne prendrai pas la courbe paramétrique, je vais prendre la courbe à point. Et je vais diminuer la luminosité des tons moyens. Et je vais diminuer encore un peu plus la luminosité des basses lumières. Et juste en plaçant la courbe comme ça, j'ai une image qui a une luminosité sombre. Sombre, un petit peu ténébreux. Ensuite, les réglages de tonalité ici. Alors, je m'en vais diminuer la luminosité des noirs. Comme ça, je vais augmenter un petit peu la luminosité des blancs. Voilà. Je vais éclaircir les ombres et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières et je vais donner un peu de contraste. Et je suis rendu ici dans ma photo. Prochain réglage. Le réglage étalonnage. Alors, étant donné que j'utilise beaucoup la fonction étalonnage pour manipuler les couleurs de ma photo, j'ai déplacé l'onglet étalonnage pour qu'il soit juste en dessous de la courbe des tonalités. Alors, les différents onglets que vous retrouvez dans le module développement de Lightroom, vous pouvez les déplacer si vous voulez. À la fin du tutoriel, je vous montrerai comment on fait pour déplacer les onglets. Si vous n'avez jamais déplacé les onglets, par défaut, l'onglet étalonnage est complètement en bas. Alors ici, je vais commencer à jouer avec la teinte du rouge primaire. Vous voyez, là, le vert devient beaucoup trop vert. Et en l'envoyant vers la droite, oh, là, je commence à avoir une teinte jaunâtre dans mon vert. Ça m'intéresse. Ensuite, le vert primaire. Si je l'envoie vers la gauche, si j'envoie mon vert primaire vers la gauche, vous voyez, la verdure devient aussi un petit peu jaunâtre. Ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, le bleu primaire. Non, là, ça devient beaucoup trop vert. Si je l'envoie vers la gauche, oh, là, j'ai des tons jaunâtres vieillots. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et je vais diminuer la saturation des bleus primaires. Et vous voyez, ça l'atténue les verts qu'on retrouve dans la photo. Ensuite, prochaine étape. Avant d'aller à la prochaine étape, les réglages de la fonction étalonnage. Honnêtement, c'est très difficile de prévoir les résultats qu'on va obtenir lorsqu'on joue avec les curseurs. Alors, la meilleure chose à faire pour ajuster les réglages de la fonction étalonnage, c'est tout simplement de prendre les curseurs et de les envoyer aux extrêmes et regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, je prends le curseur teinte du rouge primaire, je l'envoie complètement à droite. Ça donne la couleur devient dans des tons de jaune. Je l'envoie complètement à gauche. Ah, c'est ça que ça donne. Et
On fait la même chose avec la saturation. Je mets la saturation complètement à gauche. Ça me donne ça ici. Les couleurs s'atténuent. Je mets la saturation complètement à droite. Ah, là, le vert devient plus riche. OK, alors, les réglages, la fonction étalonnage, pour les ajuster, vous prenez les curseurs un à un et vous les envoyez complètement à gauche, complètement à droite et vous regardez les résultats que vous obtenez. OK, c'est très difficile de prévoir qu'est-ce qu'on va obtenir avec les curseurs. Alors, il faut vraiment explorer pour voir le résultat que ça donne. OK, alors voilà ma photo là où j'en suis. Je trouve que le vert et le jaune de ma photo sont un peu trop saturés et un peu trop lumineux. Alors, je vais aller dans la fonction TSL. Je vais aller dans l'onglet Saturation. Je vais activer la sélection par le pointeur. Je me place sur le vert jaune de ma photo et j'en diminue la saturation comme ça ici. Ici, je vais dans l'onglet Luminance. J'active la sélection par le pointeur de la fonction Luminance. Et là, je me place sur le vert jaune du feuillage. Et j'en diminue la luminosité. Et en faisant ça, là, j'ai des couleurs qui sont devenues ternes. C'est exactement ce que je voulais avoir dans ma photo. Ensuite, je m'en vais réchauffer un peu les couleurs parce que là, je trouve que ma photo est un petit peu bleue. Alors, j'aimerais ça qu'elle ait des couleurs un peu vieillottes. Alors, je m'en vais réchauffer les couleurs. Je m'en vais y donner un petit peu plus de jaune. Voyez, la petite touche de jaune que j'ai ajoutée apporte une teinte jaune vieillot à la photo que je trouve très agréable. Et je vais légèrement augmenter l'exposition de ma photo parce que là, elle était un petit peu trop sombre, comme ça ici. Bon. Maintenant, on est rendu à l'étape de la retouche locale. Alors, si je regarde ma photo, on voit que la lumière arrive par en haut, ici. Et là, je vais accentuer l'impression qu'un jet de lumière tombe sur le pont. Et pour faire ça, je vais utiliser le filtre circulaire. Alors, je vais rapetisser ma photo. Pour zoomer ou dézoomer la photo, vous mettez la touche CTRL enfoncée et vous jouez avec la molette de la souris. Ça va vous permettre d'agrandir ou de rapetisser votre photo. Alors, je prends le filtre radial. J'utilise le réglage exposition. Je diminue l'exposition et je place mon filtre radial comme ça, ici. Voilà. Vous voyez, partout où l'image est verte, l'image va être affectée par les réglages de l'exposition, c'est-à-dire que l'image va être assombrie. Et je vais accentuer le contour progressif, comme ça ici, parce que je veux vraiment qu'il y ait un dégradé entre la région affectée par les réglages et la région qui n'est pas affectée par les réglages. Je veux que le dégradé soit très doux. Alors, je place mon filtre radial comme ça. Je vais changer la couleur du filtre radial pour du rouge. Voilà. Pour changer la couleur de l'affichage de l'incrustation, vous appuyez sur Shift et O. Et ça va changer la couleur de l'incrustation. Alors, vous avez quatre couleurs. Vous avez rouge, vous avez vert, vous avez blanc, vous avez en noir. Alors ici, je prends l'affichage en rouge parce qu'il va mieux se distinguer par rapport au feuillage. Alors je désactive la couleur de l'incrustation et là, j'ajuste mes réglages comme ça ici. Vous voyez, ce sont les réglages que j'ai appliqués avec mon filtre radial. Alors ce sont des réglages où je diminue l'exposition. Je diminue la luminosité des noirs. Afin de ne pas trop perdre de détails dans les ombres, j'augmente la luminosité des ombres. Et ces réglages-là font en sorte que la photo est assombrie, à l'exception
du pont ici et de la tête des arbres ici. Et ça contribue à donner l'impression que la lumière du soleil tombe sur le pont et éclaire uniquement le pont. Ensuite, on va s'occuper de la réflexion dans l'eau. Alors, en ce moment, la réflexion dans l'eau, l'image n'est pas très nette. L'image est un peu pâteuse. Alors on va accentuer on va améliorer la qualité de la réflexion dans l'eau. Pour faire ça, je prends l'outil pinceau. Et comme réglage, je vais augmenter légèrement l'exposition. Je vais diminuer un peu les noirs. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Et je vais passer ces réglages-là ici, juste devant le pont. Voilà, comme ça ici. Et vous voyez, là, j'ai une réflexion dans l'eau qui est beaucoup plus lumineuse. Et là, je trouve que les hautes lumières sont un petit peu trop vives. Alors, je reviens dans mes réglages du pinceau et je diminue la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Je vais donner un petit peu de contraste. Je vais augmenter la clarté. Et là, j'ai une belle réflexion dans l'eau où on voit très bien le pont. Alors, j'en suis rendu ici. Maintenant, je vais m'occuper de la vibrance et de la saturation. D'habitude, je vais régler ces réglages-là au début du post-traitement, mais ici, j'ai préféré le faire à la fin, étant donné qu'il y a eu beaucoup de travail de fait avec les couleurs. Et là, je regarde ma photo et je trouve qu'il y a des régions où c'est un petit peu trop saturé. Alors, je diminue la saturation de ma photo et je vais également diminuer un peu la vibrance. Comme ça va atténuer les couleurs. Voilà. Et là, j'ai des couleurs ternes, le genre de couleurs qui donnent une ambiance un peu glauque à la scène. Je vais réchauffer encore un petit peu les couleurs de la photo. Voilà. Je vais compléter en utilisant du vignettage. Comme ça ici. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est une photo très simple qui, à l'origine, était vraiment pas jolie à voir. Avec du post-traitement, en jouant avec les couleurs, on obtient une photo qui est très agréable et qui a une ambiance vraiment plaisante à regarder. Alors, pour déplacer l'ordre des onglets, parce que comme je vous ai dit au tout début, étant donné que j'utilise beaucoup la fonction étalonnage, je l'ai déplacée pour qu'elle soit juste en dessous de la courbe des tonalités. Normalement, l'onglet étalonnage est complètement en bas du menu des réglages de la fonction développement. Alors, pour déplacer les onglets, commencez par fermer un onglet. Vous voyez, là, j'ai fermé l'onglet Effet. Vous cliquez droit sur l'onglet qui a été fermé. Et là, vous cliquez sur Personnaliser le panneau de développement. Et là, vous voyez les différents menus, les différents onglets du menu développement. Et vous pouvez les déplacer pour les placer dans l'ordre que vous voulez. Lorsque vous avez placé les onglets dans l'ordre que vous voulez, vous cliquez sur Save. Lightroom va vous dire que vous devez relancer Lightroom. Vous faites oui. Lightroom va s'éteindre. Lightroom va se réallumer. Et là, les onglets vont apparaître dans l'ordre dans lequel vous les avez placés. Alors voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'est un petit tutoriel que j'ai préparé un petit peu en vitesse. Merci à ceux qui me suivent sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de tutoriels, n'hésitez pas à m'écrire. Et à la prochaine. Bye bye.